La co-animatrice de Danse avec les Stars n'a certainement pas dû être ravie en découvrant sa vieille série de photos sexy sur l'écran géant de Touche pas à mon poste. Il y a peu de temps, la presse belge a ressorti une série de photos réalisées pour le magazine de charme Playboy par celle qui a découverte par le public dans l'émission de télé-réalité Le Bachelor en 2004. Karine Ferria, par la suite, commençait une carrière de présentatrice à la télévision. Elle co-anime désormais la compétition de danse de salon de TF1 Danse avec les Stars avec Camille Combal. À 22 ans, Karine Ferry réalise donc une série de photos dénudées pour le célèbre magazine de charme américain. Ces photos sont depuis tombées dans l'oubli. Mais un média belge a récemment retrouvé ces clichés que Cyril Hanouna s'est empressé de diffuser dans son émission quotidienne « Touche pas à mon poste ». Le débat est ainsi lancé par l'animateur. Est-ce que vous pensez que ça peut poser problème pour Danse avec les Stars? Moi, je dis que non. En plus, franchement, je trouve que les photos sont belles pour certains chroniqueurs de l'émission. Il y a prescription, mais Gilles Verdet s'est emporté. Il ne faut pas être dupe, ça fait partie de la campagne de dénigrement de Karine Ferry. Ce n'est pas un hasard si ça ressort aujourd'hui. Elle est en difficulté dans l'émission. On commence à dire quel est son rôle. Elle-même a fait la gueule parce que Camille prend toute la place et qu'elle n'est pas contente. Point. C'est une campagne téléguidée contre elle.